Est-ce qu'on capable la matin? Est-ce qu'on a levé mon cri? Béni soit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'on a fait acclamation pour mon Dieu Saint? Nous saluons une autre fois l'Église. Nous portons où parmi nous matin. Nous avons fait où connaître que nous sommes mois juillet, nous sommes maintenant. À chaque mois, nous toujours bon thème pour nous activer spirituellement. Moi, ça, c'est mois juillet, je dis, c'est dimanche, 3 juillet. Pour tout mois juillet, à thème nous, à prêter dans l'église, c'est activation de promesses. Combien de monde qui t'a remis une promesse, bon Dieu, sur la vie de l'activité? Est-ce qu'on peut avoir un Seigneur applaudissement parce que tu es déjà prêt à la porte? Parce que toi, nous, pour Dieu, qui compte pas ici, ce que ça vous a dit, ça met la porte. Est-ce qu'on peut ça matin? Hein? Bienvenue spéciale à vous-même qui visitez nous matin, hein, ou même qui ses amis l'église. Bienvenue la grâce Seigneur. Et pas oublier la parole là, il dit, côté deux ou trois réunis, il est absent du corps, mais il a un esprit et en vérité. Nous voyons salutation spéciale à vous-même qui branchez nous en live. Nous déjà dit que grâce bon Dieu, capable de vivre et joindre nos côtoyer. Et nous disons, pas oublier que nous remettons en pile et je nous remets là, nous connaissons que ou même tout, ou remettons nous tout. Nous apprenons à quitter un petit cœur pour prouver nous l'amour, ça le loin. Et pas oublier, aller sous flèche qui marque partager, cliquer sur l'île, il y a pas ou accès pour capable partager live ça avec les amis qui nous contactent pour nous, pour ça va permettre plus de nous capable bénir, capable édifier. Nous disponibles également sur toute plateforme, de vous aller dans le bord de recherche là, ou cliquer tabernacle. De la nouvelle alliance, on est capable de abonner avec toute plateforme que mon Dieu bénit. Nous vous invitons à camper avec Bibou Naméon, c'est dans Psaume 68. Si nous prenons, dis-moi Amen. Nous appuyons ensemble à la gloire de Dieu. Dieu se lève et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu. Célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les arènes. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté. Ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du salon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aussi nombreuse, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aussi nombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne de Dieu, a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire.
Tu es monté dans les hauteurs. Tu as amené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront au sein de Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu visera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis ô Dieu ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grands viennent de l'Égypte, les épis accourent, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Parole du Seigneur. Pano Achita, nous m'a acclamé la présence de Dieu qui a vu la salle de sa voix. Pano nous acclamé, c'est un peu, mais Pano acclamé présence de Dieu. L'Église, mon Dieu, bénis-nous. L'Église, mon Dieu, bénis-nous. Nous vraiment contents de vous, nous, parce que malgré la pluie, nous venons louer, nous venons chercher un barrette à Dieu. Et ça fait la musique, elle dit, m'a chanté dans le soleil, dans le feu noir, n'importe sacrifié, m'a accepté. Elle dit, n'importe là, c'est la pluie, c'est gros vent, c'est l'oreille. Mais nous connaissons, nous venons chercher un barrette à Dieu et que nous ne pas regretter. Combien de monde qui sentit au bien matin dans la présence de Dieu? Je vais vous dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tu t'en vas adorer pour ça, mon Dieu, nom de Dieu. Levez-moi en signe de reconnaissance à l'Éternel. Dis merci, Matin, parce que vous dormez ou levez. Vous n'en place ça, Matin. Dis merci. Merci Jésus, parce que vous êtes sous l'étang là. Alléluia. Merci Jésus. Yeah.
Pas de condamnation, pas de condamnation.
Yeah.
dire merci parce que rempêché nous. Tu es ma force incomparable. Incomparable. Oui, à
Que ta gloire.
déclarer ça encore. Je viens à ton hôtel. Je viens à ton hôtel. Offrande. C'est vous-même qui offrez dans ma terre. C'est vous-même qui offrez dans ma terre. C'est vous-même qui offrez dans ma terre. C'est pas l'homme. De Corinthiens 9, verset 7. Merci, Père. Matin, c'est une question de cœur. Alléluia. C'est une question de cœur. Est-ce que nous allons lire le texte ensemble avec moi, l'Église? Dit que chacun donne. Ok, on va lire mon livre plus fort. Que chacun donne comme il a besoin de son cœur. Sans qu'il s'est dit qu'il connaît. Quand Dieu est celui qui donne. Une dernière fois, font-il monter volume, non? Plus fort toujours. Que chacun donne comme il a besoin de son cœur. Sans qu'il s'est dit qu'il connaît. Quand Dieu est celui qui donne avec joie. Regardez mon qui est beaucoup là. Dis bon Dieu, cherchez cœur. Que offrande au matin, elle est connectée avec cœur. Sans parler de bon Dieu, elle est connectée avec cœur. Elle dit, c'est pas ça où vient déposer qui est important pour mon Dieu, mais c'est cœur qui est important pour mon Dieu. Amen. Ça veut dire, attitude qui va déposer offrande, elle est sortie dans cœur. Amen, l'église. Amen. Ça veut dire, bon Dieu, elle n'est pas gardé offrande qui va déposer, elle est gardée cœur matin. Il regarde comment on va aller. Est-ce que c'est parce que vous forcez ou est-ce que c'est parce que vous motivé ou bien est-ce que pendant on va aller une tristesse qui vient dans cœur. Donc il dit bon Dieu aime monde qui baille avec joie. Donc là nous une façon au capable de capter l'amour de Dieu. C'est lorsque on baille avec cœur content. Regardez quelqu'un monde dit baille avec cœur content. Quand on l'autre monde encore dit ça. Comment vous qui voulez captiver l'amour, mon Dieu, matin? Amen. Comment pour bailler l'église? Avec joie. Si vous voulez gagner l'amour, mon Dieu, comment pour bailler? Avec joie. Alléluia. Prenez une enveloppe. Mandez une enveloppe, dîme. Maintenant, nous voulons récolter 10 000 avant offrande. Parce que si nous ne pas apprendre à payer 10 000, nous ne pouvons pas grandir, nous ne pouvons pas prospérer. Amen. Parce que quelle que soit la loi spirituelle qui a violé, il y a une répercussion sur la vie. Amen l'église. Mandez enveloppe 10 mots matin. Donc moi je veux déposer 10 mots avant que vous déposez offrande. Moi maintenant qui récolte les 10 mots, et ensuite à travers le message à nos prophètes qui est lui-même. Qui va récolter les offrandes. Mais maintenant, maintenant qui récolte 10 000. Donc, pour ne pas qu'à travailler pour ne pas payer la dîme. Pour ne pas qu'à servir avec l'argent pour ne pas payer la dîme. Pour ne pas qu'à faire toute une semaine à manger, tout un mois à manger pour ne pas payer la dîme. Amen. Pour ne pas qu'à payer la dîme. C'est une action illégale. Lorsqu'on ne paye la dîme, on sent illégal. Matin, dégage au métro légal. Et puis, ou pas qu'à bon l'église, ou pas qu'à bon l'église ou persévérer. Ou bien des leaders qui pensent pour pas payer dîme. Ça sont crimes. Ou depuis c'est mon qui va payer dîme, je considère que sont criminels. Il y a des gens qui pensent que sont criminels, c'est l'oral les âmes autour de moi. Mais lors l'église ou pas payer dîme, ils sont gros criminels. Excusez-moi, obligé à employer l'expression ça matin. Amen. 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 L'église. Amen. Amen. Parce qu'elle dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait. L'église. Afin qu'il y ait.
que maman prend. Mais si je dis que je lève mes yeux vers les montagnes. Amen. Tout à revoir. Afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. Amen. Après, dit, moi, quand je travaille dans le ministère, c'est moi qui mange dans le ministère. Amen. Hein? Quand je suis libre de travailler là, le ministère est supposé être responsable. Amen. Mais ça, c'est avec l'argent dit, mais pour nous faire bon, l'homme a payé 10. Bon, c'est venu dans l'église. Amen. Avant de dans le ministère, voilà. Nous, comment nous faire? Mais quand ça ne sait pas manger, pas manger. Donc, mandez enveloppe 10 mots. Mandez enveloppe 10 mots. Mandez enveloppe 10 mots. Fais ça rapide. Faut-il lever mais. Ou même qui a enveloppe déjà, faut-il lever mais. Ah, bah, nous, on peut lever mais. Même si c'est 3 mots qui payent 10 mots, on va récolter 10 matin. Et après ça, après un message, on va déposer offrande à la gloire de Dieu. Alléluia. Combien de monde là qui travaille? Avec sincérité, monde qui travaille, quand il campe. Monde qui toujours manier l'argent, c'est pas travail seulement. Monde qui fonctionne avec l'argent. Oui. Monde qui fonctionne avec l'argent. Parce que des fois, fonctionner avec l'argent, l'argent maintenant, on suppose payer dîme. Et pas jouer avec ça. Voici des choses à la balle, on l'obtient dîme sous nom chaque monde de l'église. Ou pas capable de dire. T'as l'air envie de me mettre dans la prison là, qui sont pas dit. Ou pas dit pasteur, t'es dit, pas dit, paye dit. Plein de bagages pour faire avec l'argent. L'évangile est gratis, mais tout bagage pour faire, c'est avec l'argent pour faire. Bon, beaucoup dit chiton chita. Et quand même, nous camper, on va le prier pour nous activer ça sous la vie. Parce que les ennemis en livre, les attaquer, les ravageurs, il ne faut pas être fidèle. Il ne faut pas être fidèle dans la dîme. Donc, il faut qu'on apprenne fidèle dans dîme. Parce que l'homme est dîme, il faut nous protéger. Parce que dit, si la promesse est sainte, la masse l'est aussi. Donc, l'homme est dîme dans l'autel de l'éternel, là, il préserve le reste là pour vous. Alors, on les dit amen. Amen. Papa, nous te merci. Parce que c'est vous-même qui mettez la loi de la semence. Maintenant, mes peuples qui campent devant. Et chaque monde qui prend le dépôt en dîme dans la présence au matin, Père, va sécuriser le reste 90% que vous avez gagné. Papa, nous demandons ou va activer la caillou, vouloir, désir, pour être capable toujours fidèle dans la dîme et dans l'offrande. Père de gloire, matin, ou est sous la terre, non seulement faut que nous fonctionnions avec l'argent. Tout ça, nous faisons avec l'argent pour nous faire. N'a pas de ou va activer le ciel là en faveur de l'église. Ou va activer les portes des finances en faveur de l'église. Ou va activer le travail en faveur de l'église. Et tout le monde, Père de gloire, qui n'a nécessité au Dieu. Ou va ouvrir porte pour vous. Ça qui besoin, fait business, ou va ouvrir porte pour vous matin. Et quand ça perd, il va en retour apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Papa, merci pour l'église. Merci pour l'assemblée là. Au nom de ton fils Jésus, nous prions amen et amen. Merci Francis Chita pendant que tu as préparé dîme. La dîme, c'est 10% de tout. Si tu vas comment calculer dîme, c'est 10% de ça qui rentre dans la main. Pourquoi aller plus loin? Il y a des gens qui pensent que c'est seulement le travail qui a un salaire, il doit dîme. Abdou ça, même mon téléphone, il faut un cadeau, son corps qui rentre dans la main. Amen l'église. On t'a supposé investiguer pour le téléphone pour faire 10 sous lui. Ça m'a donné un gros secret. Gros secret. Vous connaissez l'offre comme ça? Le par exemple, un téléphone 15 000 vaisseaux, il faut un cadeau. Combien de monde sous téléphone ça? Combien de monde sous lui? Vous avez 1 500 vaisseaux sous téléphone ça. Parce que parler de la dîme de tout. Donc, quel que soit ça, il faut qu'il y ait un gros parfum ou un dîme sous lui. Tout ça, il faut qu'il y ait une belle montre ou un dîme sous lui. Il faut qu'il y ait une belle belle sous lui, une belle belle sandale ou un dîme sous lui. Il faut qu'il y ait un jeu, des anneaux, des chaînes, des gourmets, tout ça, ou un dîme sous lui. Et il y a plusieurs façons qu'il y ait un dîme. Il y a une grosse provision pour ton sac d'huile, combien de spaghetti. Calculez-le.
Vous pouvez retirer, vous pouvez porter 10 sacs de riz pour porter un sac là. Vous pouvez porter 10 livres spaghetti, retirer un livre spaghetti pour venir. Vous pouvez porter 10 gallons d'huile pour porter un gallon d'huile. Parce que 10e dans le bas pour vous, amen l'église. Amen l'église, il y a un pile dans nous là qui va vous payer. C'est volonté de ma gagne. Mais nous sommes capables. Dis oui, nous sommes capables. Dis oui, nous sommes capables. Et nous avons un bon conseil pour nous aider pour capable vraiment connaître comment pour payer 10 mois. T'as demandé rapide avant de venir déposer offrande parce que matin hein cause la pluie t'as paniqué t'es vraiment commencé tard mais nous voulons respecter l'heure à la gloire de Dieu passe et venir déposer 10 mots déposer 10 mots et tout à l'heure pour déposer offrande. Mon Dieu, quand on a travaillé dans le business, on a dit qu'on a fait des billets, on a autorisé l'administration pour prélever 10 mois. Amen. Donc, ça, si monsieur est content, il a dit qu'on a fait bravo. Mais après ça, il a dit, pasteur Lima, nous voulons faire avec volonté, nous, on a porté 10 mois plutôt. Et puis après ça, des billets, il a fait la volonté, il a porté 10 mois plutôt. Qu'est-ce que tu as dit? On vient tout de. Restons-le. Hein? S'attendez à tout grand pile là docteur, j'ai tombé le moment j'ai dit. Et quand on va réactiver l'administration parce qu'on n'a pas encouragé pour capable bénir, pour capable prospérer. Amen. Amen. Frère Josué présent Dieu. Bon Dieu, non. Amen. Josué était pas bravo, il était content. C'est seul monde depuis loin dans travail pas tout prélevé dit dans l'île dit pasteur, qui ça fait là? Pasteur. Pourquoi faire ma paix dit moi pas ça pas tout faire prendre dit pour moi. Avant de acclamer le Seigneur pour faire Josué. Son fidèle. Et frère Denson tout depuis a déposé corps pour lui toujours dit pasteur va déposer petit corps là oui. Son j'aime pour prendre dit là. Amen. Avant de acclamer le Seigneur pour faire Denson, il vient bien payer dit. Maintenant, nous avons une belle madame qui est avec nous, qui c'est madame Naomi Vido, dans le monde de l'église, qui va acclamer le Seigneur pour lui. Et son frère, son monde qui est maintenant, on ne peut plus, malgré Haïti, mais il a toujours été connecté avec nous. Et pendant qu'il est là-bas, il veut voir notre colloque, faire l'église à cadeau. Amen, oui, l'église. Vous avez dit que vous placez nous pour nous voir. Donc c'est moi qui va jamais laguer nous. Pendant que nous allons mettre avec l'homme de Dieu pour capable enseigner d'arrêter mes poli, particulièrement saluer l'église avant-hier. Bon Dieu béni nous l'église. Amen. Oh, senti mon content en pile en pile. Nous sommes toujours connectés avec nous même en vie ou physiquement. Amen. Moi dis bon Dieu merci pour ça parce que nous content ouais nous belle famille ça et restez là avec bon Dieu. Amen. Et n'a pas de toute l'église capable de camper ou même qui pourrait pour recevoir une parole matin. Vous capable de camper. Pendant que vous avez camper, si Seigneur, moi je vais vous parler avec cœur. Moi je vais vous parler avec cœur matin. Et assurément, bon Dieu, il y a une parole pour vous. Le mois de juillet, c'est le mois d'activation de promesses. Donc matin, vous avez un pile de promesses sur la vie. Mais durant tout le mois, nous voulons guider pour nous capables d'activer et ouais accomplissement sur la vie. Amen. Donc, pas qu'il n'y ait rien distrait ou pas qu'il n'y ait rien déconnecté dans la présence de bon Dieu matin. Hein? Et sous acclamation, on a demandé au prophète Kenny Dorville jusqu'à ce qu'il passe. Une acclamation royale. Est-ce qu'on a poussé un cri de joie pendant qu'on a acclamé le Seigneur? Emmanuel est là, ici présent, avec
Ni pa puissance, c'est par ton esprit.
Chapitre 2, les versets 1 à 4, nous lisons la parole de Dieu. Voilà qu'on va prêter camper, nous allons lire la parole de Dieu. Habacuc chapitre 2, versets 1 à 4. La Bible dit ceci. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, lorsque je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Et on dit avec moi prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Dis au monde qui va côtoyer la bon Dieu, pas qu'on mentit. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. De Pierre, chapitre 1er, le verset 18 à 21. La vache des pauvres. Second livre de Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 14. Il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brûle dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par la gloire? Alléluia. Maintenant, je voulais aborder un thème qui est assez intéressant. Puisque nous prenons le mois de juillet, et nous prenons le mois de juillet, c'est le mois d'activation de la promesse. Pas vrai, pasteur? Amen. Ok. Moi, activation de la promesse. Et maintenant, me déclarer sous la vie, toute promesse, bon Dieu, de faire ou bien les faire, ou me déclarer maintenant activé au nom de Jésus. Deux mondes qui recevront. Moi, si vous activé dans le nom de Jésus. Pas qu'on ait, ça fait combien d'années, ça fait combien de mois, combien de jours. Et bon Dieu, de faire une promesse. Et des fois, une promesse aussi pour l'année 2022. Mais nous, dans moitié année, nous croyons que moi, juillet, c'est septième mois. Pour que j'aime qu'à ouais, moi, déclarer dans sept prochains mois qui va arriver, que vous accomplissez dans le nom de Jésus. Toute parole qui était prononcée sous la vie, moi, déclarer, vous activez au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que moi, j'étais en prière, et puis, je me dis, bon Dieu, qui ça pour moi parler? Et puis, bon Dieu, te dit, au travers des thèmes, ça, qui. C'est l'activation de la promesse. L'important pour moi est parler sur un sujet qui est assez intéressant parce que il y a quelques jours que moi fonctionné. Alors, on fait vraiment tout prophétique là. On fonctionné et par la grâce de Dieu, bon Dieu commencé à faire des choses extraordinaires. Mais en fait,
pour aussi protéger certaines choses ou bien faire l'église tenace, si on l'église qui est équilibrée, les bons pour me parler, ça pour elle parler ensemble avec vous. 21. Parce qu'il y a un pile dans nous qui là, peut-être nous avons habitué à recevoir prophétie déjà, et peut-être nous à peine recevoir prophétie déjà. Et que parfois, il y a dans nous tout qui recevons une prophétie qui n'est pas accomplie. Certaines fois, nous dit donc, que ce sont des faux prophètes, hommes de Dieu, ça n'est pas vrai homme de Dieu. Mais ça y a parfois eu comme ces manques de connaissances de la parole de Dieu qui fait nous dire ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est important matin pour me parler sur thématique ça ensemble avec vous, comment capable activer une prophétie. Amen. Parce que quand on parle de promesse, on parle de prophétie aussi. Parce que promesse qui s'allie, les bons dieux font une promesse qui n'est pas datée dans le temps présent. Les bons dieux font une promesse automatiquement les datée dans le futur. Et peu importe, même yon monde qui fait une promesse, depuis ses promesses, depuis le pro devant, son bagay qui prononcé avant d'arriver. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Depuis le pro devant, son bagay qui prononcé avant qu'il arrive. Lorsqu'on parle de prophétie, qui sa prophétie en réalité? Donc d'abord, moi, c'est prophétie qui vient de yon mot grec qui s'est proféré. Proféré. Pro, il signifie avant, féré, il signifie déclaré. Donc c'est quelque chose qui est déclaré avant son accomplissement. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Par exemple, hier soir pendant que j'étais en prière, j'ai vu une femme. Moi, oui, une femme, mais ce n'est pas une jeune soeur, non, mais c'est une monde qui bon, dit une madame. Une madame, pendant que j'ai prière, moi, oui, qui a crié. Mais c'est hier soir même, moi, oui, elle a crié. Mais pendant la prière, moi, elle a crié par rapport avec... La pleurer sur son enfant. Lorsque dit Rachel pleure son enfant, ça veut dire la prier, mais la crier en même temps. Pendant que moi j'ai à prier, et bon Dieu dit me l'étendez, pleure yo rive joindre lui. Merci Seigneur. Est-ce que c'est où? Est-ce que c'est où? Oui. Voilà. Pendant que moi prier comme ça et puis visage là, bon Dieu dit il y a un monde maintenant, hier soir, l'a crié. Et bon Dieu dit, l'âme est au privé, joindre. Comment je peux voir ça étant chez moi? Qui m'a guidé là vendredi? Ah, c'était vraiment extraordinaire. Nous t'ai parlé vraiment comme on est capable de tendre, bon Dieu. Comme on est capable de voir dans le monde spirituel là. Il y a un monde qui a raté le service, m'a dit, il a raté. Regardez, parce que service Matthieu, c'est un service qui purement prophétique. Purement prophétique. Pas là, tes services. Alors, t'es là, pas de service ou raté ou pas perdu. C'est ça, ma ta bonne habitude. Yon prophétie, en un mot, pro, c'est avant. Ferré, c'est prononcer quelque chose. Donc, parfois, par exemple, ça que moi dis pour ceux-là, c'est pas une prophétie. Non, ce n'est pas une prophétie. C'est une parole de connaissance. Une parole de connaissance qui s'allie, c'est quelque chose qui est secret. Et puis bon Dieu révélé lié avec son serviteur. Parce que ça m'a dit là, il pas connaît. Alors, il connaît déjà. Il connaît. C'est juste une parole de connaissance qui m'a dit pour montrer que bon Dieu t'es well et bon Dieu changé. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Par exemple, si nous avons un numéro de téléphone ou c'est temps, vous connaissez déjà. Il n'y a pas une prophétie pour vous. C'est une parole de connaissance. Donc, parole de connaissance là permet que bon Dieu lui dévoile une chose qui est cachée avec un monde. Je prie que bon Dieu vous donne parole de connaissance. Parole de sagesse qu'on y a là qui s'allie. Si que vous regardez, vous dites, vous avez telle situation. Et bon Dieu dit, mais telle bagaille pour faire. Il n'y a pas une parole de connaissance, il y a une parole de sagesse. Donc, il y a une difficulté, il y a besoin qu'on ait qui ça doit faire. Et puis, rapide, bon Dieu, utilisez-moi, il dit voilà, mais qui ça doit faire. Et maintenant, quand il s'agit de prophétie, c'est quelque chose qui est proféré. Il y a un bagage qui dit pour le futur. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? C'est un bagage qui peut arriver. Mais bon Dieu dit ou lit la privée. Si nous disons bon Dieu, avoyez au tel côté,
Donc son prophétie qui me baou. Si me dit bon Dieu a fait tel bagaille pour son prophétie qui me baou parce que li beaucoup. Mais parfois lorsque nous recevons parole prophétique ça yo, ça qu'on rivé parole yo pas arrivé. Prophétie a pas arrivé. Ça qu'on rivé au de Dieu a dit ou, donc bon Dieu pour le bénir ou pour lancer ou pour le ceci et puis le garder ça ne l'a pas arrivé. Mais parfois nous dit c'est homme de Dieu à qui sont faux prophètes ou bien c'est lui pas de bien ouais parce que lui m'a déclaré en parole sur la vie lui dit tel bagaille bon Dieu dit pour me dire parce que me détourne ça c'est pas seulement un prophète qui a prophétisé les vous enfants de Dieu ou c'est bouche bon Dieu aussi est-ce que là ensemble avec moi depuis où c'est petit bon Dieu ou c'est qui ça ou c'est bouche bon Dieu. Amen. Est-ce que vous avez dit amen, Christophe? Amen. Donc, yon prophétie, son parole qui relâche. Et parole là qui a relâché n'est pas accompli. Parce que, je vous dis ça, même bon Dieu prophétisé, prophétie bon Dieu n'a pas arrivé. Yeah. Allez voir pour moi-même qui est là. Qui m'a dit, un prophète qui n'est comme on dit, bon Dieu prophétisé, prophétie à Paris. Oui, bon Dieu prophétisé, prophétie à Paris. Bon Dieu prophétisé plusieurs fois dans la Bible, elle va arriver. Première prophétie que Dieu baille, c'est avec Abraham. Et il est Abraham, il dit Abraham, va faire de vous-même une grande nation. Mais, nation qui va sortir dans Oua, il est pour esclave une autre nation pendant 400 ans. Mais après, puisque c'est bon Dieu qui relève, m'a fini vin délivrer la nation après 400 ans. Qui nation de Israël? Combien de temps peuple Israël fait en esclavage? Combien bon Dieu dit tout à fait? Combien il fait? Est-ce que bon Dieu menti? Bon Dieu dit peuple a fait 400 ans. Ça veut dire, les peuples là, 401 ans, ils ne sont pas sortis, ils disent, ah, bon Dieu m'a dit. Ça, c'est une prophétie qui est datée. C'est le dernier niveau de prophétie. Les gens ont daté la prophétie à bas. Et puis, ils ont une date là, ils ont une l'air, et puis, elle va arriver. Date là, passée. Bon Dieu dit, peuple là, on fait 400 ans. Le peuple là, fait 430 ans. Ça veut dire, ça, bon Dieu dit, ah, c'est menti. Mais il y a une bagaille où lit seulement prophétie bon Dieu baille là. Mon pas jamais garder condition bon Dieu te ba Abraham. Amen. Parce que dans même texte là tout bon Dieu dit si que yo pas gagne l'autre Dieu devant face moi. Si que yo tant de voix, si que yo garder commandement. Les conditions ça pas réuni. Prophétie a pas privé. Attends. Il y a des gens qui ont dit que c'est la condition. Dis avec moi, condition. Dans les mêmes prophéties, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque une prophétie relâchée, rapidement, je vais faire une illustration. Frère de Bible, pasteur Mario, vraiment encore. Ouais, et ça me fait peut-être une petite table là. Il faut tirer cher. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs, vous voulez nous prêter attention ensemble avec nous. Lorsque une prophétie est relâchée, la prophétie est sortie dans le troisième ciel. Par exemple, le troisième ciel, c'est le domaine de Dieu. Le deuxième ciel, c'est le domaine des esprits. Le premier ciel, c'est le domaine des hommes. Par exemple, c'est le ciel sidéral, le ciel atmosphérique. Côté qui gagne atmosphère qui dégage. Ok? Donc, au-delà des ciels, ça nous pas qu'à respirer encore. Au-delà des ciels, ça même les oiseaux ne pas qu'à respirer encore. Parce que c'est là, voie respiratoire et oxygène, c'est exactement dans le premier ciel ça. Il est un ciel sidéral. Non,
ciel atmosphérique. Voilà. Deuxième ciel là, c'est ciel sidéral, c'est ciel des astres, c'est ciel des galaxies, côté qui est les étoiles. Et c'est là qu'il y a. Troisième ciel là, c'est le grand trône blanc, la demeure de Dieu. Ici, c'est le domaine des hommes. Ici, c'est le domaine des esprits. Lorsqu'elle dit les esprits, on ne parle de ni anges, on parle de ni mauvais esprits, on parle de tout bon esprit. Parce que ici, c'est le monde spirituel. Même si nous sommes physiquement, c'est le ciel des astres, mais dans les domaines spirituels, c'est le ciel des esprits. Et ici, c'est le trône de Dieu, demeure bon Dieu. Lorsque prophétie a relâché, il sortit dans le domaine de Dieu. Prophétie n'a pas automatiquement arrivé dans le domaine des hommes. Est-ce qu'on est ensemble avec vous? Lorsque prophétie a relâché, il sortit dans le domaine de Dieu, il passait dans les domaines des esprits avant qu'il arrive ici. Mais maintenant, le combat se trouve ici pour l'accomplissement de la prophétie. Amen. C'est l'église ensemble avec vous. Donc, il n'est pas seulement arrêté pour content lorsque l'on prophète prophétise sur la vie. Il n'est pas seulement arrêté pour content lorsque vous recevez une parole prophétique. Pour dire, ok, moi, laissez-moi le nom de Jésus. Et pour finir, vous pensez que vous allez accomplissement. Non. D'ailleurs, il y a une parole qui est relâchée dans le monde physique. Là. Tout d'abord, il a déjà engendré un combat dans le monde. Ça. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Nous sommes dans le quatrième livre que j'ai écrit sur Haïti, une nouvelle génération, une nouvelle vague de réveil. Nous avons raconté l'histoire de la prophétie qui a été recevoir. Lorsqu'on recevoir la prophétie, je suis content. M'oublier combat prophétie. Mais après prophétie, ça, c'est un coup de diable, oublier tout le monde, c'est moi. Parce que parole là est relâchée. Et à cause de parole là relâchée, qu'on y a la cherché, regardez comment elle a détruit cette fête là. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? La Bible est prophétie par rapport avec Moïse qui était pour sauver même Israël là. Dans l'immédiat, ils ont appris naissance Moïse. Qui ça, Pharaon fait? Ils cherchaient à tuer tous les enfants premiers-nés. Yes. Pour qui ça? Parce que ils connaissent qu'un libérateur qui a fini. Et c'est même pour Jésus. Parce que en un mot, dans le monde spirituel, tout ça qui est relâché, il est visible pour tout esprit. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que l'église a compris? Depuis le relâché dans le monde spirituel, les visuels pour tout esprit. Mais sur la vie, moi dis bon Dieu, à marier ou non année ça, mon frère, ma soeur. Tout esprit mauvais tendait ça me dit. Et il y a le bataille pour le accomplir. Voilà pourquoi il est important de parler des prières là qui est vraiment important. Par exemple, il y a des gens qui demandent des bon Dieu mariage. Depuis que je suis sur TikTok, c'est maintenant. Il montre que pendant que Messie a la prière, il dit Seigneur, bam yon mariage, je montre des mots à noter mariage. Bam yon kay, des mots à noter yon kay. Bam ceci, des mots à noter. Mais lorsque elle commence à prier, elle a des mots par contre qui ça l'a dit. Parce que depuis parole la relâché, depuis c'est dans langage intelligible, le monde spirituel connaît parole là et a travaillé pour parole là tout. Et ça faut qu'elle dit Seigneur, bam yon mari. Et puis il regarde combien vous commencez à faire songe pour mari. Plusieurs maris. Pour qui ça? Parce que diable a voyé tout. Est-ce qu'on est ensemble avec nous? Est-ce qu'on est ensemble avec nous? Donc, l'on parlait dans le monde spirituel qu'on est, il y a des esprits qui là aussi, qui tentaient sa dire et à chercher à combattre sa crévée. Et c'est ça qui va engendrer le combat spirituel. Donc, bon Dieu déclarait une parole. Les bons dieux déclarent parole là sous la vie où il y a des gens qui disent, mais bon Dieu, c'est bon Dieu. Ça me dit à la privée. Écoutez bien. Je dis, bon Dieu, c'est bon Dieu. Parole l'a dit. Bon Dieu veille sur parole libre pour l'accomplir. Depuis c'est l'idile, la privée quand même. Écoutez. Il y a deux types de prophéties. Il y a deux types de prophéties. Il y a un premier type de prophétie qui touchait la souveraineté de Dieu. Prophétie ça, vle ou pas, la privée. Parce que ceci c'est la souveraineté de Dieu.
Et pas de monde qui a bloqué la prophétie. Ça. Tout le monde connaît que le diable est réservé pour le jugement. Et c'est des gens qui ont prié pour ça, pas fait. Personne. Ou mettre calé tout genou, ou mettre faire 10 000 jours à gêner pour Satan parler dans l'enfer, dans l'enfer. Deuxième type de prophétie. Tout son fait pour Jésus va venir la vie. Amen. 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 Parce que son prophétie qui touchait la souveraineté de Dieu, il n'a pas besoin d'appui personne. Peu importe le ou la façon de la priver. Est-ce qu'on est ensemble avec nous? Amen. Est-ce que l'église est ensemble avec moi? Amen. Donc ça veut dire que Jésus est pour le venir. Et n'importe qui qui a une prophétie, ça. Parce que la prophétie, ça lui touche la souveraineté de Dieu. Mais il y a un deuxième type de prophétie qui est une possibilité. Et pas une fatalité. Écoutez, je viens sur la vie parce que l'imam me dit, bon Dieu peut utiliser un ancien domaine. Il prend le bas où l'église. Et l'église, ça c'est la plus grande l'église haïtienne dans ce domaine-là. Où est lorsque Dieu finit de lâcher la prophétie, ça, il n'est pas engagé encore. Il est engagé parce que l'imam. Parce que prophétie, ça, c'est une possibilité. Voilà pourquoi on voit lorsque il y a une élection aux États-Unis de l'autre côté, où on voit que il y a des hommes de Dieu qui disent c'est tel monde qui a président. Le ciel qui a décidé ce monde, ça pour présider. Mais dans le monde spirituel, pas de des chrétiens qui l'ont pour permettre que volonté de Dieu d'y passer. Amen. Est-ce que l'église a l'ensemble avec? Amen. Donc, si que moi, je vais faire des vies, je dis Frère Debbie, ah, moi, je suis mis à préparer un accident pour demain, si Dieu veut. Bon Dieu, montre-moi. Maintenant, ils sont possibilités. Si Frère Debbie campait dans la prière, la bloquer accident. Amen. Automatiquement, me dit ça, ça va venir la priver. L'on parle pour jouer la dalle. Est-ce que l'église a l'ensemble? Amen. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu parlait avec Jérémie. Il dit Jérémie, peuple Israël, il vient pour l'alliance en captivité. Il vient en captivité, il a fait 70 ans dans l'esclavage. Mais après quoi, moi-même, bon Dieu, m'a retiré dans l'esclavage. Malgré dit, même bon Dieu, l'a retiré dans l'esclavage. La Bible dit les 70 arrivés, le peuple a toujours dans l'esclavage. Et c'est pendant que Daniel a lu dans un livre que Jérémie t'a écrit. Lui, ouais, 70 ans qui est écoulé. Et puis, le peuple a toujours en esclavage. La Bible dit Daniel courit dans la prière. Lorsque Daniel courit dans la prière, il dit Seigneur, moi, elle t'a écrit dans le livre Jérémie hein, que 70 ans, c'est 70 ans que le peuple a fait dans l'esclavage, mais bizarrement 70 ans écoulé. La Bible dit Daniel fait un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, l'a gêné. 20 jours, l'a gêné. Et dans 21 jours, bon ange qui vient contre Daniel. Il dit Daniel, depuis le premier jour où tu as prié, la réponse est venue. Mais ici, tu as un blocage. Amen. Parole l'a relâché. L'elle finit relâché. L'elle arrive là. L'est bloqué. Maintenant, si Daniel te baille vague, il t'a perdu le net. Daniel fait un jour, il faut que je réponse dans le monté hôtel là bureau. Il fait deux jours, il va jouer le poisson de monter. Il fait 15 jours, il monte. Dis-moi qui m'a dit la pas baille vague. Dis le pas baille vague. Il continue à monter l'hôtel là. Il continue à monter l'hôtel là dans la prière. Jusqu'à ce que le ciel l'a gardé, lui et Daniel continue à prier. Il dit, oh, voilà. Ça fait longtemps que vous avez le poisson Daniel. A pas Daniel toujours à prier. Et puis la Bible dit, bon Dieu, parce que. Les bons dieux voient un message, ils ont catégorie des anges qu'ils voient. Yes. Qui ces anges messagers, race de Gabriel. Mais les pour la guerre, ils ne voient pas les anges messagers. Ils voyaient un archange. Race de Michael. Parce que les anges qui là pour message là, ils ne sont pas là pour la bataille. Amen. Chaque guerre,
fonction pas. La Bible dit lorsque Dieu gardait libre Daniel toujours à prier, il dit ok, maintenant ma voix est aux anges de guerre. Ça veut dire anges messagers à bloquer qu'on y a son ange de guerre pour qu'il y a libéré. Parce que bon roi de Perse, il y a une puissance dans l'air qui bloquait la réponse Daniel là. Et la Bible dit Daniel priait. Lorsque Michael venait, il gardait. Il dit, ouais, roi des Perses, résister, Gabriel. Et puis la Bible dit, Michael, t'as bossé, roi des Perses là. Et puis, vous connaissez qui ça le fait? Il n'y a pas un message là, il y a un Daniel, non, c'est pas Wall. Il y a même ange là, un message là, pour le beauté, il y a un Daniel. Et puis, lorsque les anges là, par le côté de Daniel, il dit, Daniel, c'est depuis le premier jour, ah oui, on va prier, réponse là, fini. Mais le prince de l'air de Perse m'a résisté. Quand l'homme Gabriel finit au secours de moi-même. Amen. Jésus. Amen. Donc ça veut dire les paroles à relâcher dans le domaine de Dieu. Ici, il y a quelque chose. Voilà pourquoi dans pile monde qui a promesse déjà, qui dans pile prophétie, mais toute réponse est là. Parce que vous ne connaissez pas comment vous bataillez ici. Moi-même, je regarde là, dans pile prophétie que vous faites sourire. Il y a beaucoup jamais accompli. Et il y a ça qui date. Parce que le texte de l'Amsot a dit si elle tarde, ça veut dire une prophétie qui a tardé. Yes. Il y a un retard. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Donc ici, il y a une lutte qui doit mener pour permettre que ça, bon Dieu, dise ou vieux là, il accompli. Oh, je suis en pile de matin, dans pile prophétie qui fait sous la vie. Dans pile parole qui dit sous la vie. Mais là, regardez où est la vie, au contraire de ça que tu dis. Date la passée. Mais matin, tout combat qui livre là, me déclare qu'on compte victoire dans les noms de Jésus. Ici, il y a des esprits. Et parmi tout esprit qui est là, il y a des esprits accusateurs. Avance. Qui ça me dit? Il y a des esprits accusateurs. Qui ça esprit accusateur ça y est là? Esprit accusateur ça y est là pour y accuser. Pour faire connaître que provision ça bon Dieu vous bah ou pas mérité. La Bible dit non. Zacharie chapitre 3. Est-ce qu'on a posté pour moi? Zacharie chapitre 3, je crois. Oh, je me sens béni. Zacharie chapitre 3, on va mettre là. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'ont touché. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'a touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'a touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes. Je verrai comme jamais. Nombre du Tout-Puissant, même les sorcières doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Epikaizo. Nombre du Tout-Puissant, même les sorcières doivent dire, ça c'est le droit de Dieu. Epikaizo. Le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan se tenait à droite pour. L'Éternel dit à Satan,
Que l'Éternel te réprime. Confession qui dit, l'ange de l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là ainsi sont arrachés au feu. La Bible raconte l'histoire d'un sacrificateur qui est Josué. Sacrificateur qui est Josué, il était un vêtement qui sale sous lui, qui est symbole de péché. Mais bon Dieu voulait faire quelque chose pour lui. Et lorsqu'il parlait devant bon Dieu, il y a un ange accusateur, un esprit accusateur qui venait pour l'accuser. Il dit, ça ou quoi le bali, il n'a pas mérité. Et puis il y a un ange qui l'a vu pour lui. Il dit, non, je vais changer de vêtement pour lui. Je vais retirer vêtement qui sale. Je vais balayer un vêtement qui propre. Les anges accusateurs, les esprits accusateurs qui trouvaient le deuxième ciel, qui c'est le domaine des esprits, ils sont là pour vous présenter ça que vous faites pas bon devant Dieu, pour vous dire bon Dieu, vous pas mériter ça. Mais grâce à Dieu, tes grands sang t'es coulé à la croix pour tes chemins. Yes. L'église la parle ensemble avec nous. Donc, nous sommes là. Bon, nous sommes dans la prière dans 40 jours de jeûne. Nous avons une dimension de désir dans mes bons dieux. Et puis, dans un moment, nous avons un combat qui est levé contre nous. Et puis, nous avons un homme de Dieu. Nous avons un homme de Dieu. Mon prophète nous dit, mais qui ça? Pour qui combat qui est levé contre moi? Parce que nous avons une prière devant mon Dieu. Et puis, il dit, on prie. Et puis, il commence à prier. Raka, baba, baba, baba. Et puis, il prie. Il dit, ok. L'esprit, bon Dieu, lui transporte. Et vous regardez, moi vous-même, qui est dans un tribunal, qui a jugé. Et moi, j'ai des esprits qui levaient pour accuser. Je dis que grâce à Yogal Baoua, ou pas mérité. Et bien, dis pas couper, continuez pour ça. Parce qu'on a un bon avocat, qui c'est Jésus. Donc, les bonnes paroles prophétiques qui relâchaient sous la vie, sache que, ou même où c'est l'homme, il y a un pile bagage ou qu'elle fait pas bon devant ce bon Dieu. Il y a un esprit qui a levé pour vous accuser. Mais l'air levé pour vous accuser, c'est pour demander Jésus pour le prendre défense. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Acclame les Seigneurs. Mais bien, mes frères et sœurs, écoutez bien. Lorsque la parole prophétique a fini de relâcher, vous avez besoin. Ça déjà. Lorsque parole prophétique l'a relâché, mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez, il y a plusieurs choses pour engager, qui pour activer parole prophétique là et pour qui permettre qu'elle y accomplisse aussi. C'est quelqu'un qui l'ensemble avec vous. Premier bagage qu'on doit engager, vous devez engager le pouvoir de la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi, puis faut la parole. La Bible dit dans Jean 1er, verset 1er à continuer. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était. Et Dieu c'est quoi? Dieu c'est la parole. Donc parler de la parole, c'est parler de Dieu même. Donc vous-même qui sont chrétiens qui parlent de la parole, ou la seulement pour essayer ma prophétie pour foutu. Parce que c'est la parole qu'on va connaître pour marcher selon la parole et pour prendre la parole comme autorité. Amen, 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 amen. Alléluia. Pour enseigner aux amateurs. Pour prendre ça la parole comme autorité. Parce que, vous ne pouvez pas connaître. Léo prier en connaissance de la parole, pas de bagaille fait prier efficace pour ça. Il est écrit à mon sujet que mille tombent à mon côté, mille tombent à ma droite, je ne serai pas à terre. De mes yeux seulement je regarderai, je verrai la rétribution des méchants. Il est écrit à mon sujet, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il est écrit à mon sujet, alléluia, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est écrit à mon sujet, et comment Paul l'a dit, comme autour de ceux qui le craignent, et il est écrit à mon sujet, toute âme forgée contre moi sera
Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, il est écrit à mon sujet, arrêtez! Je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Il est écrit à mon sujet, aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il est écrit à mon sujet qu'il a effacé la désordonnance qui nous condamnait et qui subsistait. Pourquoi pas? Il est écrit à mon sujet. Voici les miracles qui attendent. Avec la parole. Lorsqu'on a le pouvoir de la parole, il n'y a aucun esprit qui a résisté avec la prophétie. La prophétie a fini, relâché, engagé le pouvoir de la parole. C'est pour dire c'est un message écrit au sujet de nous. On va pouvoir bon Dieu camper pour le défendre parole. Faut qu'on dise à la Bible, David dit, il dresse devant moi. En pile prédicateur traduit, comme ça en façon. Mais moi-même, c'est pas comme ça me traduit. Lorsque Dieu t'a baillé Moïse la parole, je dis ça le débali. Son tape de pierre. Le David dit, il dresse devant moi une table. C'est la parole. Donc entre David avec Edmio, limite non c'est la parole. Dès qu'on franchit la parole, son prend ses portes. Dis avec moi la parole. La parole. Il y a des attaques qui viennent jouer nous. Citer sa parole l'a dit. Amen. Amen. Il y a des désirs ou élevés dans le corps. C'est pour dire Seigneur, il est écrit à mon sujet. Et Décomptes 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses. Voici toutes choses. Il est écrit à mon sujet. Si je vis, ce n'est plus. L'autre déclaré par le samedi, tout désir qui finit pour faire tomber dans la saleté, au nom de Jésus, par le pouvoir de la parole, vous chassez. C'est ça qui fait les bons pour son chrétien qui compte là. Bah. Ici, là, nous pas en affaire avec mon caprier selon sa cantique là. Mais vous venez dans l'église, vous n'avez pas compris la parole, c'est ça. Oh, même Jean Auté a dit, il est une cette guerre, il est un combat divin. Ça veut dire, pas bon, pas bon, mais celle sans espérance, ça veut dire. Vous voyez. Mais on va chita dans sa parole là dit. Ah nous connaissons ça. Il y a dans 56% j'en espérance. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Utilisez la parole. Dis avec moi la parole. La parole. Deuxième bagage que vous devez engager, lorsqu'il recevoir une prophétie, vous devez engager le pouvoir de la foi. Et on dit avec moi la foi. Pasteur Limaté dit des textes à l'autre jour dans Déroi, verset 7. La Bible racontait l'histoire du prophète Élisée. Prophète Élisée, il arrive un temps que le peuple Israël a un grand goût. Et pendant que le peuple Israël a un grand goût, la Bible dit, Élisée baille en prophétie. Il dit, demain si tu veux, dans l'air comme ça, bon Dieu a voulu manger. Et pendant Élisée finit dit ça, tu es un officier qui est là. Il n'est pas quoi. Élisée dit, ok, plus qu'on pas quoi, on va pouvoir manger, mais on ne peut pas manger là-dedans. Et la Bible dit, en demain si tu veux, mais c'est simplement où est manger, il tombe plus mourir. Parce qu'elle n'est pas quoi. Qui ça fait pour me venir sur vie pour me dire ça bon Dieu dit pendant qu'on pas croire. Comment elle peut faire accomplir? Amen. Je passe sous lui. Il m'a dit. Léon parole prophétique là sous la vie. Ça, il dit nous.
l'on pas qu'ouel. Comment elle fait accomplir? Comment elle fait accomplir? Parce que quand elle pas gagné la foi, mon Dieu, presque pas qu'à faire. La foi rend mon Dieu faible. On va l'ensemble. Si pas gagné la foi, parce que on parle bon bagage qu'il faut, on dit amen. Amen. Si me prophétiser sur la vie ou est prophétie assemblée ou qu'on est pas en prophétie. Parce que ou pas jamais semblé avec futur. Présent ou pas jamais semblé avec futur. Moi même où elle a sauté ou même des années passées, on a jamais pensé si c'est mon cap là. Il y a un peu de monde qui est là, si vous êtes ouel dans 2000, dans 2005, si vous êtes ouel, vous n'avez jamais pensé si c'est l'étape comme ça. Donc, les paroles prophétiques là qui sont sur la vie, vous ne pouvez pas sembler avec elle. Voilà pourquoi, même si vous ne pouvez pas sembler avec elle, qui a la foi. Allez, les parle ensemble avec moi. Si vous êtes négatif, comment est-ce que vous avez affiché la foi? Amen. Il y a discipline dans nos poches. Donc on peut jamais sembler avec prophétie. Soit on semble avec elle. Frère, mon Dieu, quand elle est belle, faut toucher. Mais il y a plus l'argent et qu'on a tellement un problème l'argent là. On n'oblige pas quoi? Parce qu'on ne peut jamais sembler à prophétie. Amen. Et c'est pour raison ça. Lorsque une parole prophétique relâchée sur la vie, même si on ne peut pas sembler avec elle, quoi? Parce que la Bible dit, moun ki, moun e quoi? Ou apoué. Ou pas sembler avec grand femme que mon Dieu dit, ou apoué. Ou pas sembler avec type de impact, mon Dieu, doit le faire. Ou pas sembler avec machine, mon Dieu, doit le rouler. Ou pas sembler avec caille, mon Dieu, dit le pral baoua. Mais une bagay me connaît. Prophétie a pas jamais semblé avec ou dans prison. Ça, mon Dieu, dit, projet, mon Dieu, qui est sous la vie ou là, lorsque ennemi ou là, il est supposé saisir. Amen. Moi-même, moi, elle a pas jamais pensé si nous avions prédicateur. Et si Flandem te a cherché une femme de côté. Dès qu'on a rap, c'est rap, qu'on a rappé. On y a la même mais vous êtes carte. Acclamez bon Dieu pour ça. Ça l'a fait dans le projet, mon Dieu, il y a pour moi. L'homme pour qu'on gagne dans la pensée. Je vous dis ça, puis go voyant c'est bon Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous avons une parole qu'il faut? Avance. Est-ce que vous dit? Souhaite alors. Ou est-ce que j'aime recevoir la prophétie? Ça n'a pas signe que bon Dieu oublie. Amen. 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 L'Ika a un signe que vous avez trois clandestines. Amen. Parce que toute destinée qui dévoilée lui engendre un combat. Prophète Samuel vient devant Saül, lui pas kawe, devant David, lui pas kawe si c'est David qui a roi. Parce que David est tellement grande destinée depuis qu'il était 10 ans seulement. Vous remarquez, il simplement roule comme moi. Saül a cherché le boulotier. Il est simplement roule. Ou qu'on destine, ou qu'on bagaye bon Dieu pour le faire ensemble avec vous. J'aime ça, d'où la déparole l'a relâché, le monde des esprits, yo prend. Si yo dit seulement, ou foutu. C'est ça qui fait des gros monde vient côté. Ou dit, ou besoin de prophétie, dans même d'où Jésus a tourné. Mais pas prophétie bien. Alors, on va pas venir pour me fabriquer prophétie pour vous. Si bon Dieu voulait nous donner parole sur vous, m'a dit. On va quand venir prophète, venir chercher une prophétie. Et puis on ne va pas venir côté pour dire qui appelle ou gagner. Non, pas fait ça.
Appel autant vous lit bon Dieu Abdou mais qui appelle ou bien. Bon Dieu pas jambe bipé moun ni pas jambe appel manqué. Bon Dieu pas un problème 4. Et bien après l'on fait appel là. Il fait appel dit direct. Bon Dieu pas qu'on bipé moun. En matière de appel, ça ou pas chercher. Autant vous lit appel la patrade. Amen. On va chercher un monde pour bien comprendre appel ou. Mais on va chercher mon pour qu'on souvienne avec nous. Amen, amen. Chercher pour capable pour bon endroit. Exactement. Pour comprendre pour qu'on qui ça vous fait. Mais depuis bon Dieu est l'eau, frère, autant vous lit. Appel là, c'est là pour son bagage. On fardolier. Autant vous lit. Moi, je ne bats jamais qu'on dit des prophètes. Là, on dit prophète, je ne pas d'accord parce que j'ai un petit garçon avec qui dans l'université. J'en prie pour un prophète en Haïti, d'abord dit prophète. Non. Par m'a dépensé l'argent, les gars, ils ont coché un grand ministère à prêcher, ma cabalan. Et ça m'a toujours dit, pas d'accord, bagaille ça. Pas d'accord. Et bon Dieu, qui est bien comme ça? Et dans deux bagailles, il fait, il retire mon côté parent. Moi, moi, là, par exemple, parce que depuis qu'il est revenu, m'a posté ça sur statut le jour. Il y a un monde bon Dieu relé dans le ministère, où c'est un retranché dans la famille. Amen. Bon Dieu retranché. Famille ou pas de toute pleine autorité qu'elle dégage sous moi. Et bon Dieu qui a éloigné au Dieu jusqu'à ce qu'on comprenne la belle. Amen. Yo mon Dieu avec moi la foi. La foi. Même si ça bon Dieu dit sous la vie ou là, ou pas sembler avec elle, cruel. Yes. Amen. Même si des années ont passé ou pas elle, cruel. Dis mes paroles qui t'ai déclarées sous la vie. Moi, cruel à priver. Vous comprenez ça vous fait? L'on fait ça dans le monde spirituel ou bâti des hôtels qui bataillent pour vous. Qui goumé avec l'esprit qui a lutté contre vous. Vous êtes quoi? A parler rapide. Troisième bagaille qui doit engager pour une prophétie qui relâche. C'est engager le pouvoir du jeûne et de la prière. Vous m'avez dit avec moi, jeûne et la prière. La prière. Et mon dieu toujours dit, ah, Jésus dit tout est accompli déjà. Pour qui ça pourrait le jeûner? Pour qui ça pourrait le prier? Eh, hey, mon frère, ma soeur. Mon frère. On prophétie fin relâché sur la vie ou pas j'aime prier ou chita obtenir un accomplissement? Ou pas j'aime prier? Ou pas j'aime chercher bon Dieu? Mais non. Comment ça pourrait arriver? Levez sur la tête. Comment ça pourrait arriver? Donc, les paroles à relâcher sous la vie, mes bien-aimés frères et sœurs. Faut qu'on soit un monde qui a prié. Faut qu'on soit un monde qui toujours a jeûné. Moi, personnellement, nous sommes un monde qui tellement prié, tellement jeûné. On va dire, mais non, il faut qu'on fasse qu'il y ait là. Pour qui ça l'a prié toujours? Pour qui ça l'a jeûné? Parce qu'il y a des grandes choses que mon Dieu promet. Il y a des bagailles qu'elle voulait arriver sous vivre. Faut toujours aller côté dans la prière. Faut toujours être dans le jeûne. Jusqu'à ce que ça le dise accompli. Moi-même, son monde, je n'ai pas qu'une parole prophétique pour l'année 2022. Et puis, les gars, ils vivent presque dans 4 mois, 5 mois, presque pas. Par un, je me dis, ok. Je me dis, Seigneur, je vais fermer pour 3 mois. Et 3 mois, ça, c'est 3 mois. Si vous allez dans la chambre, vous allez tout l'esprit qui est mis en net. De même, vous allez dans la chambre, tout le monde vit ma bonne. Tout l'esprit est net, mettez-vous. Et puis, je fais 3 mois, je ne vais pas utiliser les réseaux sociaux. Je prie, je dis, Seigneur, sortez pour mettre en 2022. Je crois même 2 mois, je ne vais pas accompli. Je commence à prier, je commence à jeûner. C'est là, l'autre jour, dans la fin juin, là, je vais utiliser les médias sociaux et puis je vais débloquer toute invitation à sortir seulement là. Je prie. Parce que ça, bon Dieu, dit, il faut qu'il y ait accompli quand même. C'est pas seulement arrêter, mettre des prophéties, mettre des promesses dans le bousso et puis on va camper devant mon Dieu pour dire Seigneur, ou te dit telle parole, pas tel serviteur. Et quoi serviteur, ça sont hommes de Dieu. Mais camper devant pour l'accomplir. Faut qu'on prie. Faut qu'on engage le pouvoir de qui ça? De la prière et du jeûne. Dernier bagage, m'a pris ensemble avec nous. Que nous devons faire, nous finir recevoir une prophétie. C'est engager le pouvoir de l'offrande.
Ça est important. Ça est important. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de l'offrande. Est-il encore? Le pouvoir de l'offrande. Mais bien aimé frères et sœurs, moi-même c'est prophète Mabdoussa. Pourquoi j'aime qu'on ait un prophète prophétiser pour moi? Ou bien, je me bénéficier de quelque chose qui est dans la ville pour ne pas faire une action symbolique. Moi-même, moi là. Si je transfère, je vais m'envoyer. Si c'est un bel costume pour m'acheter, je vais acheter. Il n'y a pas de bagaille ou pas qu'on ait. L'offre fait un homme de Dieu, cadeau et un bagaille. Tout le temps, la utiliser. Regardez le prophète Joël qui a prêché, il dit cher ça, son monde qui joue en France, qui bat l'île. Il dit aussi longtemps la bête la prêché sous cher ça, lui condamner femme ça pour le bénir. Frère, nous disons ça, nous pas bien moi bon Dieu, nous pouvons être bon Dieu au travers d'un homme de Dieu. Par exemple, on nous bénit, mon frère, son Jérôme, d'avoir j'ai fait 2 mois jeûne sur une montagne. Et puis, comme ceux qui disent, s'il te plaît, Max, c'est m'acheté sac là pour nous. L'écrit non là-dedans. Déjà pour coucher sous le lit. C'est pour ciel l'a changé. Oh, Jésus. Les anniversaires, nous songez, bon confrère, et puis, pas de mal dans le store, m'a acheté un soulier, ça va dans le pied là. Et puis, il dit, mon prophète, je ne peux pas avoir mon soulier, ça ne me plaît pas. Ouais, chaque fois, je m'étais m'a prêché. C'est pas jamais manqué à rien dans la boutique là. Oui. Il pas jamais manqué à rien. Depuis que je mettais mon costume sur moi, m'a prêché tout le temps, m'a prêché avec. C'est pour ces noms qu'a répété comme ça dans mon esprit. M'a répété. Là où est l'église là, mon combat gagne. Ou dit ok, je choisis pas l'église là. Je choisis ok, moi manqué tel bagaille, je choisis pas l'île. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps l'église a existé. Parce que Dieu tout s'est dit on va dans l'église la construire. Elle dit tout le monde qui va y avoir don, l'a écrit non là on brique, non après des pour génération et génération. Ça veut dire toute race a bénéficié de top ça, des grâces qui ont sorti dans top ça. Mon frère, l'on choisit, va y avoir bagaille dans top bon Dieu, ou choisit par un serviteur de Dieu en bagaille. Il faut connaître que Dieu qui est là, alliance qu'il fait avec Dieu, ou même moi bénéficier de la vie. Amen. Amen. Mon soeur qui a toujours habitué ses mains dans le ministère lorsqu'il va faire activité. Et puis on l'est, il était en dette, et puis la dette là était tellement haut, et puis il était doit payer en banque parce qu'on machine l'a acheté. Il est toujours doit payer. Et puis il a bloqué le bail ça eux. Il a dit ok parce que il doit toi. Il dit ok. Il dit à cause qu'on habitué ses mains dans le ministère dans le travail qu'il va le faire. Il dit moi-même. Non seulement débloqué compte là et banque là, il a faut payer les ouvriers. Ça m'a dit la vérité. Yes. Et puis après quelques jours le relève, il dit banque là non seulement débloqué compte là et puis il dit pas de problème madame login comme ou abandon. Et l'élevé parce que son monde qui était marié avec un monsieur, monsieur a son vacabondé, monsieur a fait un paquet de dettes, et puis monsieur a un visa, lui tout était assis, puis pour l'autre famille mariée. Puisqu'on était marié avec elle, des tuyaux a viré sous dos madame là parce qu'il n'y a pas divorcé. Et puis il me déclaré parole ça sous la vie. Et puis il dit désormais, moi je compte à chaque fois que je touche, je vais déposer un corps comme sémence pour le ministère. Amen. On est égaré, les gars. Pas égaré, les gars. Touché bon Dieu. Pas égaré, les gars. Il y a une bouche qui bénit ou même faut bénir. Lorsque bon Dieu utilise un homme de Dieu pour le bénir la vie ou pour le déclarer une parole sur la vie, qui sont faits en après? Parce qu'on doit engager certaines choses pour qu'il active la parole qui dit sur la vie. Pour activer la prophétie qui est sur la vie. Ou non l'église, l'église l'a béni ou l'église a un problème, bon Dieu, bon moyen. Ou pas faire rien pour l'église là. Ou un pasteur qui dans l'église là, pasteur a baillé tout seul pour vous, l'a cherché bon Dieu pour vous, l'a fait tout sacrifice pour vous, mais ou même, ou qu'a fait des gestes avec lui. Soit son costume, soit ses souliers, soit son bagage l'église l'a manqué, ou pas faire. Et il y a des gens
qui plus vigilant par son, yo fait l'y a béni. T'es un homme de Dieu m'a loué chez la Kaili. Il dit, bon monde qui bon gros magasin tout près l'église là. Chaque premier dimanche, il est toujours venu baïti. Chaque premier dimanche, on l'a relé, il dit, est-ce qu'on va converti? Il dit, non, pas converti. Il dit, même toujours baïti. Parce qu'il dit, parce que son loi, tout le monde qui s'aimait, va récolter. Il dit, chrétien, il pas comme ça. Moi-même qui pas chrétien, je connais. Il doit me faire un petit business. L'aime prendre décision pour me baïtir. Regardez qui entreprise qui me gagne. Parce qu'ils sont loi. Bon Dieu dit, portez à la maison du trésor toutes les 10 000 offrandes. Ou après, si je pas ouvrir l'église ciel là, sous la vue. Des actions que vous devez faire. Mais bien, mais si vous ne pouvez pas enseigner nous ça, quand les gens ne vont pas remettre nous. Promesse, bon Dieu, sur la vous n'a pas suffi. D'ailleurs, vous mettez une page qui est Jérémie 11, verset 29 là, qui dit je connais les bouillir, brel, dormir avec elle. Vous n'avez pas besoin de river sous la vie. Vous mettez faire thé avec elle. Vous mettez des lundiri ou à manger. Vous mettez douce enfant de Dieu. Christ est mort pour vous. Il y a des actions que vous devez faire parce que le monde, c'est un monde de combat. Tout message que je même si on ne pas oublier, ou pas jamais changer, mais message ça faut changer. Par rapport avec toute promesse que bon Dieu fait sur la vie, toute prophétie que recevoir, il y a moyen pour activer. Engager le pouvoir de la parole. Engager le pouvoir de la foi. Engager le pouvoir de la prière et du jeûne. Engager le pouvoir de. Et l'offrande acclame les seigneurs. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par force, ni par puissance, ni par puissance, c'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par au nom de Jésus, tout esprit qui a lutté contre parole prophétique qui est relâchée sous la vie, contre toute promesse que bon Dieu fait, matin, je déclare l'ange de l'éternel agit pour moi. L'ange de l'éternel agit pour moi. Frappez mon dieu de l'éternel agit.
Crois que mon Dieu est l'éternel agit. Crois que mon Dieu est l'éternel agit. Continue, je vais ici. Crois que mon Dieu est l'éternel agit. Crois que mon papa, 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 chata. L'ipa, papa, papa, chata. L'isopra, papaya. Le copa, papaya. Le soto, papata. Chata, papaya. La papaya. Le papa. Crois que mon. Toute promesse. Que ciel la ferme. Toute promesse, que ciel la ferme. Toute promesse, que ciel la ferme. Il a accompli au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit qui t'est résisté. Toute parole prophétique qui t'est relâché sous la vie. Ma terre me déclarer au nom de Jésus. Parole saillot, me sans effet, me sans effet. Toute parole est mise, lui lancée comme la vie. Me sans effet. Mais sans effet, au nom de Jésus. C'est avec moi ma terre. Moi déclaré. Songe l'éternel. Bataille pour moi. Si ma terre. Moi engagé. Le pouvoir. De la parole. Si moi engagé. Le pouvoir. De la parole. Parce que parole l'a dit. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. Il déclare tout danger qui est projeté sous la vie, sous la vie de famille, le sans effet. Le sans effet. Frappez mon Dieu sans effet. Frappez mon Dieu sans effet. Frappez mon Dieu. Aya babradabaya. Le chata bradabaya. Iso brakabaya. Le chata brakata. Le so brakata. L'iso baratabaya. Rende ta paroche tabaya. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. M'attendez où? Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Promesse mon Dieu ferme. Promesse mon Dieu ferme. Il a accompli. Il a accompli. Dis promesse mon Dieu ferme. Promesse mon Dieu ferme. Il a accompli. Il a accompli. Dis moi déclaré. Moi déclaré. Ma terre. Ma terre. Que ciel là. Que ciel là. Il agit pour moi. Il agit. Que ciel là. Il agit en faveur. Agit en faveur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel. Campez pour moi. Campez pour moi. Et accompli. Et accompli. Toute parole prophétique. Toute parole prophétique. Qui t'est déclarée. Sous la vie, moi. Sous la vie. Dis déclaré. Déclaré. Toute sa bonté déclarée sous la vie. Toute sa bonté déclarée sous la vie. Au travail au homme de Dieu. La privée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. N'est pas puissant. C'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force. Ni par puissance. C'est par ton esprit. Envoie ton esprit. Merci au Capab Chita. M'a simplement fait une annonce. Comment était-il déjà dans la chambre haute? Décidément, depuis mon ministère, je vais prier pour un monde pour grâce qui dans la vie dans l'argent. Même si je vais prier pour vous, je prier soit pour un espère dans la vie, il y a un problème, il y a une difficulté. Mais si recevoir la grâce qui est sur ma vie, ce n'est pas encore fait. Et au travers des livres, ça qui m'a écrit, qui sait comment conserver et faire grandir son onction. Bon Dieu mettait sous cœur, il dit, pas seulement faire une vente des signatures, mais organiser un programme qui est les soirées de l'onction même chaque. L'onction même chaque, c'est onction pour l'expansion. Onction qui mettait au large. Peu importe côté où il est, on va faire succès. Vous êtes capable de dire, je ne suis pas un homme de Dieu qui s'appelle faire avec l'onction qui est là. Écoutez bien. Peu importe l'aspect que vous avez dans la vie, vous avez besoin d'onction pour réussir. Amen. Les douze, apôtre Pierre avec apôtre Jean paraît devant Cocobé. Il n'y a pas de pied pour le balai.
et on dit ça me gagne comme onction moins baoul et puis onction transformé en pire. On va ensemble avec toi. Et puis l'on a dit qu'on peut aller marcher. Ou comment ou qu'a besoin machine, ou qu'a besoin réussir dans tout ça on entreprendre. Mais onction capable accompagner. Dans soirée ça, j'ai décidé de prier pour chaque monde indistinctement avec l'huile d'onction pour grâce qui dans vie dans aljoindre. Et peu importe le domaine où on est vrai, pour capable de réussir là-dedans. Denson, pendant que je suis ado, c'est comme moi voyons une clé voiture. Levez gambé. Que grâce qui est dans la vie, cherchez. Machine qui va chercher pour le baroule au nom de Jésus. Yes. Et que pour vous ouvrir pour vous, connexion vive. Yes. Dans le nom de Jésus. En soirée, ça me décide de prier pour tout le monde indistinctement. Non seulement ma blague, mais il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu très puissants que mon Dieu a pu utiliser comme. Le programme, ça n'est plus à présenter. Ma guerre apostova, une calétoile, une femme de Dieu très puissante. Un prophète dangereux qui est le prophète Robin Chenegris, son prophète dangereux. Il s'appela. Il décide de prier pour tout le monde indistinctement. Donc, soirée, ça c'est le 24 juillet, la fête. La fête ici, là. On a acheté tout le temps de mettre dehors pour nous capables de faire soirée ça. Il y a un monde qui peut entrer dans la soirée à son bagon livre. Non, même. On compte pour qui ça me fait. Enlevez le sur internet, il m'a fâché. Je me suis dit 4 livres déjà. Me faire déficit dans tous les cas. Les me lançons votre signature, mon Dieu, j'ai dans le programme et on va acheter des livres. Moi-même, je change de stratégie. Amen. Pour entrer dans le programme, il faut que le livre là, c'est les mêmes qui cartent. Pour entrer. Je vais te parler. Un gars dit, on va le faire. Ouais, chrétien. Mais là, j'ai besoin de 1600 combien de dollars d'habits. Si t'es toi pour moi, cherchez dans le téléphone, mon chien, si t'es pour moi. Je vais vous prendre, aller chercher tout pour moi, combien les vieux à côté. Non, je n'ai rien gardé le boutil. Vous devez voir moi sur le téléphone ça. Le téléphone. 1666 dollars américains. Je vais vous sortir un petit exemple de besoin. Et ça a bon seulement 300 exemplaires. Et je me dis que pour mon entrer dans le programme dans le bon livre, mon est fâché. 1600 combien de dollars américains vous payez? Grâce à Dieu, il y a quelques monde qui te dit, il y a aidé là-dedans pour me faire ça, ma faire. C'est même ça, il faut que avec. Moi-même, même pour nous jeunes, nous sommes comme là et nous prions. Je dis ça, je me fais une promesse pour moi. Toute vie ou pas en paix. C'est même ça. Oui, je me dis toute vie ou pas en paix. Côté pour moi, je pourrais me prier. Si vous avez aussi qui voulait continuer de nous avec 100 dollars, 50 dollars américains, les jeunes moi après, je vais prier pour vous. Pour le bon Dieu libre avec nous. Parce que c'est un peu mais ça aussi, c'est ce que faire, non, c'est ce que faire. Ok? Soirée ça, ou c'est sponsor soirée ça d'une façon ou d'une autre, pour inviter les gens, pour bailler l'argent, parce que nous avons l'autre système, nous avons le temps, nous avons plusieurs bagages, nous avons des pour faire. Même comme pour même, c'est un peu pression, beaucoup, même bien la foi. Mais si vous voulez aider nous aussi, après que le plat dit, ok, pour faire ma vidéo à temps. Ok? Si on a la notion de liste, mon qui a cité ensemble avec vous pour barrer les deux là. Ok, c'est chercher là. Il faut tirer tes poussières en Irlande. L'autre servante là, servante Rosa, qui est croisée même. Il faut tirer tes poussières en Irlande. Bon, l'autre bien aimé, sur côté de la là, oui. Ok, si dame qui devant Gaël là. Ok, vous-même, il faut tirer tes poussières en Irlande. Avec sa parole là. Acclame le Seigneur pendant que le pasteur a passé. Ok.
Venez pour prier pour vous, déposer vos frères. Vous pouvez vous faire vos frères. Oui, il faut faire un bâti, maman. Il faut engager le pouvoir de vos frères. Montez vos frères. Que Dieu te bénisse. Rapidement, on a demandé pour agent là, c'est le Seigneur qui a passé. Alléluia. Ou même qui va faire partie des ministères, si vous visitez, non, si vous n'avez pas une contradiction avec l'église, ou si vous sentez cœur disposé, ou pas qu'il n'y a aucun problème pour participer ensemble avec nous. Faut quand même pour qu'on prie. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Oh, fidèle, Seigneur, fidèle, mon Dieu d'amour. Oh, fidèle. Papa, merci matin. Merci pour tout ça, vous faites déjà. Et merci pour ce que vous faites encore. Père de gloire, dans le milieu de ça, vous pouvez nous révéler en l'heure pour nous capables de faire un geste très symbolique et spirituel. Papa, même peu pour vous qui pouvez participer ensemble dans votre passage. Matin, on a demandé au Dieu d'amour, il n'y a pas de simple repas. Il n'y a pas fait comme à l'ordinaire. Mais nous déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le monde qui est d'accord, qui pourrait participer dans votre face à faire, c'est pour lui activer tout ça qui est désactivé sur la vie. Et toute promesse que vous avez portée en dedans, c'est pour commencer par activer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et même gens, lorsqu'on parole relâche, ennemi incapable de camper d'elle pour bloquer. Mais nous, les hommes de Dieu, nous sommes capables de camper pour nous activer. Donc, moi, je ne sais pas combien de temps chaque monde qui l'a gagné, depuis qu'il y a une parole, une promesse qui est activée sur la vie, qui est relâchée sur la vie, il y a un accomplissement. Et nous venons camper ensemble avec eux devant le trône, Père de gloire, pour nous capables non seulement activer et accélérer sur la vie. Papa, nous demandons au Dieu d'amour, quel que soit le monde qui va prendre repas ce matin. Si tu as une maladie, tout type de maladie, on va sortir avec guérison. Et ça qui te senti faiblesse, on va sortir avec de nouvelles forces. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de vie, cet esprit assisté. Nous faisons ça, les gens oublient. Au nom de ton fils, Jésus. Amen. Vous pouvez passer la main de faire un ordre. Merci à quelqu'un qui est capable de nous. Vous pouvez faire ça. Alléluia.